Chers amis, chers collègues, chers publics, en tant que directrice musicale de l'Opéra Royal de Wallonie, je suis ici pour vous expliquer un peu le sens de ce recueillement musical du 7 mars à 15h à l'honneur de notre patron, notre directeur général et artistique, Stefano Mazzonis. L'idée est née dans mon cœur et dans mes pensées de faire un mois de sa disparition, un recueillement musical qui est un moment de réflexion, de méditation, de prière pour tout le monde du théâtre, l'orchestre, les chœurs, la maîtrise, les techniciens, les gens de la conciergerie, les habilleuses, tout le monde va être inclus dans les pensées et les prières ou les méditations pour lui, pour Stefano, pour le penser à lui et pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Le moment de la grande célébration de sa vie artistique et professionnelle va arriver plus tard, quand la pandémie nous permettra de jouer un grand concert gala avec tous les stars qu'il aimait, tous les chanteurs internationaux et belges qu'il a découvert et qu'il aimait beaucoup, et aussi un grand requiem de Verdi au début de la saison prochaine, si la pandémie nous permettra. C'est un moment de deuil, un moment de recueillement, et le sens, c'est qu'à travers la musique, à travers les notes écrites, pas écrites, et surtout les silences, on puisse tous ensemble, on dit en italien, abbracciarsi, ça veut dire, en français c'est un peu différent, mais se embrasser tous ensemble pour le remercier et pour penser à lui. Donc j'espère que vous allez être nombreux le 7 mars à 15h en streaming sur notre site. Merci.